Salut à tous, aujourd'hui on va lire La Vierge froide et autres racontars de John Riel. Monsieur Johnson chanta les louanges du vin et de la viande. Il rota régulièrement et presque sans bruit, ce qui impressionna beaucoup William. En fait, il passa le dîner à calculer par quel bout prendre le comte. Car le comte devait évidemment avoir un tatouage. Bien sûr, un tatouage qui ne pourrait pas être gratuit, contrairement à celui de William, parce que soit on voyage en tatouant les gens pour vivre, soit on reste à la maison à s'occuper de ses affaires et à gagner son pain comme ça. Il buvait à petits coups le Glovougeot maison et échafaudait dans sa tête une liste provisoire de prix. Un cœur avec maman devrait raisonnablement être estimé à une peau de renard ou deux peaux de phoque de première classe. Une goélette à deux mâts tournerait bien autour de trois renards ou deux peaux de phoque mouchetées. Si on se souhaitait un trois mâts carré, le prix grimperait alors au moins à cinq renards, un demi-ours ou dix phoques. Cela pourrait servir de tarif de base et jusqu'à nouvel ordre. Si quelqu'un avait des souhaits particuliers, on ferait alors un devis approprié. Monsieur Johnson décida de faire un petit catalogue qui pourrait faire le tour des stations. Ce catalogue devrait comporter une liste de prix et être richement illustré. Merci à tous pour avoir écouté ce petit moment de plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Hey, bye bye.